Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On fait un petit test avec le micro. C'est Vimanga, bonsoir à toi. Bonsoir. Mais j'ai pas de moustache. Ah mais tu peux choisir, tu peux faire un mot. Oui. Vous choisissez quoi du coup, pourquoi je suis en pareil? On peut voir les informations, oui, informations de classe, nickel, voilà. Oui. Ah oui, sympa. Chasse. Et le qui? Ah, je peux pas voir les informations de classe des autres, dommage, j'aurais pu monter en même temps. Ah, Herboris, c'est bloqué, je peux pas. Ah, j'ai pas tout débloqué, j'ai débloqué Bûcheron déjà, c'est déjà bien. Bah j'avoue, c'est bien. Ah bah moi je l'ai pas le Bûcheron, donc ça veut dire que c'est chacun, selon ce qu'on a joué, qu'on a débloqué nos personnages. Ah, exact. Ouais, vous jouez les personnages que vous avez débloqués. Pas ceux que moi j'ai débloqué, tant pis pour vous. Ah, pas très gentil tout ça. Donc c'est comme ça que ça s'écrit, c'est des manga gaga. Mais oui, il y a trois M. Mais ça s'est pas pris quand il a pris mon perso pour déconner. Donc, voilà. Oh, c'est vraiment un méchant. C'est pas vrai déjà, c'est pas moi. Mais là, tu peux changer le pseudo là. Le pseudo de ton personnage, tu peux le changer. Bah oui. Oui, oui. Ah, c'est bien. Voilà. Regarde si tu cliques sur le truc. Oui, j'ai parfait. Parce que vous pas que je un bûcheron et toi tu fais quoi papy? Moi j'ai envie de jouer bûcheron. D'accord. Un mendiant papy. C'est quoi ton attaque s'il te plaît? S'il vous plaît madame, s'il vous plaît. C'est nous, je l'ai pas sinon je l'aurais pris. Donc au niveau des champions qu'on a actuellement, je pense qu'on a le forgeron qui est un peu tank, le chasseur qui est à distance, l'érudit qui est magicien. Oui, ils sont pas comme moi. Oh putain. Pardon, j'ai pas du tout écouté ce que t'as dit, papy. Oui, bah tu te démerdes. Alors, je vais prendre... Ah mais il y a pas le... Mais si, je vais prendre le chatsu. Allez. En tout cas, avec Céline, ce que j'ai appris, c'est que les films espagnols, c'était de la chiotte, hein. C'est pas pareil. Ah mais je suis moche. Attendez. Tu peux annuler, normalement j'ai pas encore fait prêt. Tu peux annuler, non? Annuler. Avec, attends, avec mais, B. On peut pas choisir une femme en fait. Tu fais personnaliser. Tu fais personnaliser. Ah d'accord, pardon. Excuse-moi. Quand t'as choisi ton personnage, tu fais personnaliser, oui. Tu peux choisir homme, femme. Et tu peux choisir plein de la couleur et tout. D'accord, bah voilà, c'est ça que je cherche. Alors j'hésite, bah, entre Vénézuélien. Il faut lire. Ministère. Alors, ou... ah oui. Érudit. Point très important. Chaque personnage va avoir des compétences plus importantes que d'autres. Et par exemple, moi je suis un bûcheron. Donc j'ai de la force. J'ai beaucoup de force, mais j'ai rien dans le crâne. Donc j'ai pas beaucoup d'intelligence. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, lui, par contre, soit très intelligent. Par exemple, l'érudit. Il y a un érudit dans les personnages. Ou la ménestrelle aussi, je crois. Oui, je crois que l'érudit, voilà. J'hésite voilà. Entre les deux. Et tu as aussi Chasseur, ce qu'a pris Sévi. Bah, qui, lui, par contre, elle a de la rapidité. C'est ça, Sévi, elle aurait le reste. Toi, tu aurais la force et moi, j'aurais l'intelligence. Mais j'hésite entre les deux, en fait. Moi j'aurais la force et la vitalité aussi. Et aussi, on fait des dégâts différents. Oui, toi, tu vas plus être orienté pour les dégâts magiques et moi plutôt les dégâts physiques. Donc ça, faut aussi prendre en compte. Et dans les arcs, il y a des arcs qui peuvent faire après à terme des dégâts magiques. Donc oui, il y a aussi se spécialiser en magique ou en physique selon ce qu'elle veut faire. Selon le personnage que tu prends, en fait, faut spécialiser plutôt dans le physique ou dans le magique, en fait. Donc si tu prends chasseur, il faut que tu spécialises dans les dégâts physiques. Oui, physique, oui, ça fait. Très bien. Donc il faut que papy, ouais, il prenne érudit ou ministrel. Il fait quoi, érudit? Montre pour voir, attends. Je vais regarder ce qu'il fait, érudit, je sais pas ce qu'il fait. C'est où, érudit? Je t'avais partagé. Truc. Quand tu fais information de classe, tu vois l'intelligence, les aptitudes qu'il a. C'est ça, c'est justement okay, okay, okay. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Ouais, et ça va. Hein. ok, le ministrel est bien parce qu'il a une guitare qui peut... Je peux prendre le ministrel, hein, et le chatter, quelqu'un prend.
Non, non, garde ton chasseur, c'est très bien. Garde ton chasseur. Moi, je vais garder le bûcheron parce qu'il fait très mal. Je vais faire le tank. Et ouais, il faut un érudit ou un ménestrel. Mais érudit, je sais pas s'il fait des dégâts magiques ou des dégâts physiques. Magique. Pas... J'avais magique. Érudit, chasseur et forgeron quand je jouais. Enlève le chapeau. Érudit, il a quoi? Ah oui, livre d'érudit. Ah oui, c'est ça. Fais-toi chaud. Je ne peux pas choisir. Comme par oh. Herbrus, ça a l'air sympa. Ménestrel. Ah oui, d'accord, ok. Musicien de rue, bûcheron. Ah, mendiant, il a quoi? Bâton. Bâton, je sais pas quoi. Bah, allez, c'est pas. Ah, le mendiant, c'est un. Ouais, d'accord, ok. Bon, ouais. Moi, c'est l'herboriste que je veux, non, mais j'ai pas 7 points, j'ai fait le compte. Non, j'avais... non, quoi non. J'ai pris le mauvais personnage. Comme Ronzemour, Reine de Ferru. D'abord, c'est le sorcier Vexor qui disparaît. Puis on a peut-être dit mon mari dans son propre palais. Vous êtes le dernier espoir de Ferru. C'est Sévi qui va tout lire, moi je le dis. Cherchez Ilvan dans le bois où tu es. On vous informera de la meilleure manière de nous aider. Votre quête commence. Lutter contre le chaos avant qu'il n'embrase notre royaume. Objectif de quête, aller à Bois de Tuyer dans la forêt sentinelle. Très bien. Allez, on choisit notre part. Pour qui choisit? Ah, je commence. Ah, okay. C'est chacun son tour, d'accord. Ouais, oh, c'est comme pour les combats. Et une statue de chasson. À droite. À droite, c'est ça? Oui. Ouais. Il y a des gens devant. Le... Ah oui, errant. Ah oui, ça donne de l'XP. Est-ce ouais. qu'on y va? On y va. Ouais, ça c'est bien. Alors avant, il y a un homme bête sur la route. Et il y a une plante aussi. Bon, on va aller le tuer. C'est allez. Parti. On est à portée si tu l'attaques. Donc on peut faire une escale peut-être. J'ai que 42% de réussite. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc autant y aller en combat, hein, je pense. Ouais. Alors j'explique, regardez, il y a combattre, embuscade, discrétion, partir. Combattre, bah c'est combattre tout simplement. Embuscade, on va pouvoir attaquer plusieurs fois avant lui en fait. Donc ça nous donne un bonus au début de la partie, au début du combat. Discrétion, c'est pouvoir passer par-dessus lui, on va dire, sans qu'il nous voit, donc en discrétion. Sans combattre en fait, et partir, bah c'est parti. On va faire combattre. Parce qu'il y a un système de lancement de dés un petit peu, en fait. Vous allez voir, tu vas voir quand tu vas attaquer. Regarde, tu vois, t'as un pourcentage que l'attaque marche en fait. Enfin, de faire un parfait. Ah oui, je vois 83%, 73%. Ok. Et tu vois ce que ça fait, les dégâts que ça fait. Et parfait 39. Donc, alors je vais faire ça. Et je cible et qui je veux. Et tu peux. Ouais, tu peux choisir qui tu veux là. D'accord, bah juste. Ah, et au-dessus des personnages, enfin, en dessous des petits personnages ennemis. Il y a immunité contre le feu, ils ont des immunités certains. Oui, il y a certains qui ont des immunités et tu verras par la suite aussi, il y aura aussi des logos de boucliers pour leur dire qu'ils ont de la résistance. D'accord. Par exemple, si c'est un logo de bouclier vert, violet, c'est que ce sera de la résistance magique et si c'est un bouclier bleu, c'est de la résistance physique. On fait tout péter. Et tu vois, Papy Brossard, dans son personnage en bas à droite, lui, fait des dégâts d'attaque magiques, parce qu'il est en violet. Voilà, nous, pour l'instant, c'est des dégâts normaux, c'est pas vraiment physique pour l'instant, apparemment, mais par la suite, suivant les armes qu'on va prendre, ce sera physique. Oh mon dieu, tu perds des triangles rouges. Des triangles rouges ouais, ah oui, j'ai saignement. Il m'a mis saignement. Je vais essayer de le défoncer, lui-là. Oh. Ah, il se venge. Allez, vous, Glacier. Très bien, très bien. Alors... Tu peux essayer d'en finir. Bon, de toute façon, tous ceux que tu vas attaquer, tu vas les tuer. Donc, vas-y, choisis, peu importe. Ouais, mais si je pouvais encore faire Inaoue, si elle avait touché celui-là de droite, je tuais tout le monde. Oh. Ah, dommage. Bah,
alors ça te laisse le temps de faire le coup de grâce. Je ne savais pas, donc je commence le jeu. Oui, oui, bah justement, c'est, je dis ça gentiment. Oui, cadavre. Oh, pièce d'or, je prends tout. Non, on peut partager entre nous trois. Soit je récupère tout, soit on partage. Moi, je fais toujours partager. Bah oui, c'est très bien. Pas, et en plus, c'est lui qui récupère la L'herbe de l'ermite. Les espères pendant le voyage pour devenir indétectable. Ah, je l'attends. La récupérer. Et vous avez votre inventaire d'objets, vous avez vu. D'accord. Vous avez vos pièces d'or aussi. Les pièces d'or sont très importantes dans le jeu. On a du soin sur nous. Alors, pour se soigner, alors, il y a des plantes qui s'appellent la barbe de Dieu, qui régène 15 points de vie, mais ça, vaut mieux le garder quand on fait des donjons ou des gros combats, quand on a vraiment plus de vie. D'accord. Parce que sinon, dans les villes, on peut se soigner dans les villes contre un petit peu d'or. D'accord. Ouais, c'est lui qui pourquoi t'as eu 18 points toi? Parce que c'est lui qui a récupéré. Voilà. Bah oui, mais c'était moi qui faisais l'expérience. Non, c'est tout le monde. Tant pis pour toi. Ah, c'est pour tant tout pis le monde. Pour toi. Bah oui, mais. Oui, c'est pour tout le monde. Moi j'en ai récupéré un peu plus, mais. Voilà. Mais je vois pas la map, on peut pas aller plus loin que. Ah, mais oula. Non, je voulais pas cliquer. Je voulais voir la map. Oh. Non mais c'est nul, non, on peut passer là. Avec la... Oui, t'as fin du tour en haut à droite. Tout en haut à droite de l'écran, okay. t'as un sablier. Là, je voulais voir la map parce que je la vois pas bien. Alors avec la souris, tu peux dézoomer et si tu mets ta souris sur la gauche ou la droite, tu sais, c'est pour faire un peu bouger la caméra. D'accord. Tu vois, désolé. Si tu mets ta... Ah, j'ai quasiment eu aucun mouvement, quoi, je suis dégoûté. Ouais, bah ouais. Mais ça afflue sur la vitesse et tout. Pourtant, ah oui, non, c'est Séville la plus rapide, donc c'est elle qui aura le plus de mouvement. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va à Bois-Tuyer du coup? C'est ici. Oui, c'est plus loin, oui, tout à fait. Ah oui, on peut ping avec Alt. Tu t'appuies sur Alt et après tu cliques sur l'endroit que tu veux, ça ping. Ok, bah je vais passer par en haut. On va aller... Ah ouais, mais nous, on va aller où? Ah oui, on va aller là. Ouais, enfin, par contre, nous, il y a un singe sur la route. On va le faire à deux. Ah oui, je suis trop loin. Il doit t'emmener. Ouais, t'es trop loin. On va être obligé de le faire à deux avec Séville. J'ai pas de mouvement avec ce perso, quoi, par contre. Je suis très loin. Ouais, pardon. Ouais. Non, 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 non. C'est parti. Comme bête. Ok. T'inquiète, tu vas voir que moi en vitesse j'ai vite baissé aussi. Hein. Oh la vache! Ouais, elle fait mal, Mâche. Tu vas voir que moi je vais faire beaucoup de dégâts plus tard. Allez, on partage deux pièces d'or. Ah, qu'est-ce que c'est? Une bassin en voûte. Oh. Un autre bassin envoûteur pour utiliser ceci. C'est comme une sorte de portail avec des TP. Ouais, c'est ça. C'est Pic. Clairement ça en fait. Mmh. Sauf qu'il faut deux portails. Voilà, oh là là. Tu vois comment il est. Non, non, attends. Je peux aller que vers toi. Je peux pas aller plus loin que là où tu es. Ah, mais tu avais déjà rattrapé pas mal de retard. Ah, en plus, il y avait bien un chanteur perfide. Jouer. Alors lui, tu vois, lui, regarde, il a des espèces de trèfles, donc ça demande de la chance. Et on a tous autant de chance les uns les autres, donc tu peux essayer. Bah, t'as que 24 ans de chance de perdre des trucs, quoi. C'est vrai? Ouais. C'est soit t'as 9%, t'as rien, 30% t'as 4 XP, 9% t'as 6 XP. Ah, c'est vrai, les moins perdre voilà. XP, les malédictions, elles sont des... Voilà. Allez, ou alors, il y a un truc... C'est que tu peux utiliser de la concentration, des points de concentration, pour augmenter tes chances. Et avec voilà. Je fais ça. En cliquant sur les trèfles, par exemple. Quand tu fais clic droit. Clic droit sur les trèfles en haut, là où il y a le nom. Oui. Là le trèfle, chérie, en haut, là où il y a le truc joué. Là où il y a marqué joué, là il y a des trèfles, voilà. Bah si, si, normalement, en faisant clic droit, je crois que tu peux activer, je non peux rien faire. Je ne sais pas. Ah. Bah peut-être que pour celui-là on peut pas. Peut-être pas utiliser. Ah oui, on peut pas utiliser. C'est marqué. Bah, on verra rien. Ok, on va prendre.
Oh, c'est tout. Bon, c'est toujours mieux que moins 4 XP. Ah, du coup, je peux aller un peu plus loin. Oui. Mais plus énergie. Ah. Yeah. Mais en plus, ça gagne des mouvements en plus. Alors, en plus. C'est tricheuse. Je vais mettre l'option fin du tour automatique. Ouais, pareil. Jamie. Je vais faire pareil. Et Jamie. Et Jamie, en fait. Je sais pas si c'est moi qui décide ou si c'est pour tout le monde. Je pense que c'est toi parce que moi j'ai le jeu là-dessus. Ouais, il faut aller dans les options et tu fais partie et là tu peux faire le passe tour automatique. Fin du tour automatique, ouais, moi je l'ai mis. C'est fait cocher. À qui? Ah, dommage, c'est pas assez proche. Est-ce qu'on se fait le loup après ou pas? Sinon je m'approche juste devant. Il y a un oiseau aussi à côté. Ah, le loup? Ouais, pour de, un peu d'XP, sur le level up. Il y a une pièce Ah, un coq. Il faut quoi, ça? J'ai 24% de chance de le prendre. Et je peux utiliser de la, concentration. Alors. Qui est le plus de talent? Ah bon, en plus, c'est toi qui as le plus de talent, papy, bah, oui. Donc y'a que toi. Bah, toi de voir. Là, franchement, toi de voir. Parce la concentration en combat, en général, je vais pas forcément l'utiliser. Et au pire, on a des. Non, en combat, ça... en combat, ça sert à rien. On peut pas tous cliquer? 73%, 24% de chance de combattre, ça peut être bien, je pense. Ouais, vas-y, tu peux essayer. 73, c'est pas mal. Voilà. Il va tout garder, lui. Regardez, on a tout. Bah oui. Bah, c'est surtout que vous mais là, il peut pas. Pour partager, donc hop. Oh là là. Mais hop. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est hop. T'aurais dû passer l'épée à Sévi, bah, peut-être. Oui. Oui. Ah mais tu pouvais pas la passer. Je peux pas la passer maintenant, mais maintenant que je vais me mettre devant elle, je vais pouvoir ouvrir mon menu, prendre l'épée et donner à. Ah non, il faut qu'on soit sur la même case, donc il faut que j'attende qu'elle arrive. Ouais, bah va à Bois-Tuyer, comme ça tu gagnes l'XP, on fait la quête. Va à la ville juste à côté. Attends, j'y arrive pas. Ah, je peux pas. Ah si. Ici. La boutique du sable. C'est toujours bien de voir de nouvelles têtes rejoindre la quête. Je suis Hildebrand, l'agent de la reine en charge de diriger la forêt sentinelle. Ça ne va pas par ici du tout. Pas du tout, ça ne va pas par ici, pas du tout. Bah, j'ai du mal, je suis fatigué. Elle te marque quoi, toi, là? Elle est méchante. Tu m'as dit qu'une personne ignoble s'est fait enfermer dans les mines scintillantes. Et où elles sont? Elles sont là-bas! Comme ça, il faut tuer les loups, ils sont sur le chemin! Elles sont dans ton. Je vous ferai descendre. En attendant, un engin étrange a été repéré. Allez enquêter. Ah! Et ces curieux en jolie robe se sont bien installés. Préparons-nous pour la castagne. Oh là là. Dans n'importe quelle ordre, on peut faire ce qu'on veut. Ah bah, faut aller au marché, tiens. Alors. Oh, t'as 14. T'as 24 pièces d'or, tu vas pas faire grand chose, je pense. Ah, et puis selon l'arme, j'ai aussi. T'as vu, il y a des compétences différentes. Là par exemple, j'ai compétences soin du groupe ou soutien à distance. Plus 15% de dégâts dans les ventes, c'est pas mal. Mais toi, t'as un livre déjà? Oui, j'ai un livre maintenant qui fait des dégâts de zone assez gros, c'est plus intéressant. Ah, mais. Attends, t'avais quoi d'autre comme arme? Ah oui, t'avais le livre. Mais elle a besoin d'un arc. Non, elle peut utiliser. Ah, attends, je vais regarder ce que. Bah oui. Attends. Arc de chasse, ça demande. Ah oui, ça demande quoi? C'est quoi ça? Test d'attribut. C'est quoi ça? Ah, c'est de la vigilance. Ça demande de la vigilance. Et elle en a 83. Ah oui, il lui faut des armes qui demandent de la vigilance à elle, en fait. Attends, donc oui, non. Faut pas que je fasse quête annexe, c'est ça? C'est quoi le... Ah oui, tu peux faire. C'est quoi ça, par exemple? Il faut faire quoi? Tuer un ours de guerre dans la forêt, je prends tout, quoi, là. Non, tu peux en faire qu'une. Tu peux choisir qu'une seule quête. Le fantôme destroyant, il donne une hache, mais je ne sais pas c'est quoi. L'ours de guerre donne plus de l'or, réduction du carbone... Bah, la hache, ça fait bien pour la sienne. Ah, tu veux peut-être la hache, tu veux que je la prenne, la quête? Attends, elle fait combien la hache? Elle fait trancher, propre, puissante. Ça dégâts physique. Ouais, bah en fait, c'est la hache que j'ai, mais en mieux. Parce que la mienne, a fait 12. Bah, comme tu veux, écoute. Moi, je suis content si tu prends la hache, mais. Voilà, j'ai pris. Bon, ok. En plus, on pourrait y aller faire un tour, c'est pas trop loin. Et tu
Du coup, tu peux vendre l'épée que t'as, hein. Tu peux la vendre si tu veux. Et comment pour vendre le marché? Non, non, tu vas dans ton inventaire, tu peux faire vendre. Tu sais, au lieu sur la. Tu vas sur l'âme brouillée, tu peux faire vendre. Il faut être dans une ville en fait pour vendre. Donc là, tant que tu y es, tu peux le faire. Tu peux même vendre ton livre aussi, ton vieux livre. Ok. Et là, je peux faire quitter. Voilà. Et il considère que j'ai encore du mouvement. Oui. De concentration en plus. J'ai regagné les points que j'ai utilisés. Que demande la personne? Ah oui. T'en as récupéré un. Bah, du coup, on va où nous? Soit on redescend, soit on fait vite fait les deux mobs avant d'aller à la mine, et après on redescendra pour ta quête, la hache, ou on va d'abord faire la hache et ensuite la quête. Oh, ouais. Il faut qu'on farm. Attends, il y a demande quel level la quête en bas? 3. Ah ouais, donc la quête pour la hache, on va la faire bien après. Hein. Donc faut être niveau 3 pour faire. L'oiseau, etc. sur le chemin de la mine, et comme ça en XP. C'est ça, parce qu'après il y a aussi le campement ici là. Il faut être niveau 1. Tu vois? Donc on va fermer les loups, t'as raison. Bah regarde, il y a des campements sur tout le chemin jusqu'à la quête qu'on doit faire. Hein. Donc autant faire la quête et sur le retour on tue le campement et on récupère ta hache en même temps. Alors par contre, Séville n'est pas sur le. Alors le loup elle est pas à portée? Non, elle est pas à portée. Bah mets-toi pile là où je suis et laisse Séville engage. Comme ça après on est à portée pour le corbeau et c'est moi qui engage le corbeau juste après. C'est ça. Ah oui, et les points de mouvement que vous utilisez pas, si vous faites fin du tour, ça les transforme en PV. Ah ouais? Parce que je veux venir oui. là. Oui, bah justement, il faut que t'attaques le loup. Faut que t'attaques le loup. Non, il faut un arc, il faut pas de... Vous avez trouvé un volcan des sorciers. Croyez des cœurs de charbon. Battez le feu. Ah non. Battez-vous. Préparez-vous à subir cette épée. C'est relou ça, bon on fait le loup et on se casse. Hein. Ah ouais, ouais. Parce que le volcan en fait, le volcan, toutes les cases autour du volcan, ça va faire du feu. Ça va nous enflammer. Oui mais c'est dans deux tours, gars. On a le temps de se barrer. Dans deux tours? C'est pas dans deux tours. Ça c'est le tour d'après. Non, le 2 que tu vois c'est le level en fait. Ah mais là il dit préparer, battez le fléau avant qu'il ne s'éveille, donc c'est à dire qu'on a le temps ou pas? Je sais pas quand est-ce que ça s'éveille. Bah le fléau il s'éveille que le chaos, il s'éveille dans encore 5 tours hein, là-haut dans la chronologie. Ah non, attends, c'est le volcan des sorciers. Ah oui, là en gros c'est un espèce de mini-boss en fait, là, le volcan qu'on vient de voir, c'est le volcan des sorciers, c'est un mini-boss qu'il faut battre. Sinon quand ça va s'éveiller, en fait il va y avoir des volcans qui vont spawn sur un peu partout dans la map. Ouais donc on a encore le temps. Y a encore oui, on a le temps, on a le temps. On attend, mais je sais pas quand le loup, l'oiseau, et après on voit pour faire le boss s'il y a besoin. Si on est full life, on peut tenter. C'est ça, vas-y. Allez. Alors, c'est quoi? Alors, est-ce que tu peux faire embuscade? Embuscade, ça prend combien de pourcentage? Ah, ça demande du talent. Ouais. Ça demande du. Pas du talent, mais du. Embuscade. Est-ce que tu peux faire un clic droit ou pas, par exemple? Je peux faire discrétion en fait. Non. Oui. Non, embuscade. Est-ce que tu peux faire un clic droit ou pas? Normalement, oui. Et là, tu passes. Non, pas discrétion. Là, t'as discrétion, là. Tu t'es trompé. C'est pas grave, voilà, radical. Essaye. Clique sur embuscade. Ah bah, j'ai pas le choix. En fait, elle a fait un clic droit et ça a marché quand même. Ok. Ah, mais parce qu'elle a de la vigilance à 71. À 83 de vigilance, donc ça marche mieux. Ça demande de la vigilance, les embuscades. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Ah, ça va, tu vas pas loupé. Mais bon alors voyons voir les compétences que j'ai gagnées. Donc il y a toujours la vague de concentration. Elle est passée de 4 à 5 points de dégâts. Donc voilà. Par contre maintenant mon attaque basique. Ah oui. Elle a vachement augmenté par contre. La mono cible elle est vachement plus intéressante. Ah c'est moi. Ok, je vais partager. C'est marqué la pièce d'or. Non, il faudrait faire l'oiseau maintenant. Il faut être level 2 pour faire le volcan. Là, on est tout juste. Moi, je suis level 1, mais vous êtes encore level 0. Donc, D'accord. Et quand tu passes la souris dessus, tu vois, il y a un 2. Alors, embuscade. Tu peux tenter. Oh, tu peux essayer l'embuscade encore. Il faut cliquer sur le droit. Ouais, si tu le souhaites, tu peux faire une fois clic droit, tu vas voir. Ça utilise un de tes marqueurs, donc il te reste 3 sur 4, et là t'as 86% de chance de réussir.
Non, échec. Oh. Avec 10% de chance de louper, quoi. Bon, c'est pas grave, avec la vie qu'ils ont. Ah ouais, mais je joue en dernier, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Bah moi aussi. Y'a quel qui joue? Ah, oh, coucher. Coucher l'oiseau. Ah, t'aurais dû faire un autre corbeau, ça aurait fait passer un tour. Ouais, c'est pas... Je m'en occupe. Allez, bonne nuit. Eh ben non. Ah, oh, franchement, t'abuses. Hein. Oh, c'est bon, je vais mettre le travail. Là. Moins 16. Bah, il a une bonne... Ouais. Il a quand même une bonne hache, hein, c'est pour ça. Ah, c'est moi! Je prends tout! Ah, j'ai un fort chemin de téléportation commun. Il est là! Regardez la bête! Qui... Non, c'est lui. Qui est le plus intelligent? Bah, c'est moi. Ah, bah, récupère le parchemin alors. Parce que ça, c'est un parchemin de téléportation. Et plus l'utilisateur est intelligent, plus il pourra se téléporter loin. Donc, autant que ce soit lui qui l'utilise. Aussi assez Eric. Ouais, ok, récupéré. Je suis tank, alors autant que ouais. Alors. Si tu peux encore avancer, essaye de t'approcher vers le campement 0 ici. C'est. Comment t'as dit? Alt clic gauche, non. Alt. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je peux avancer que d'une case. Oui, bah ça sera parfait. Bah, ça fait que tu seras à portée. Comme ça, moi je m'approche si et vol... après, il n'y a plus que. Si le volcan s'éveille. Si le volcan s'éveille, je rigole. Mais non. Là, je le dis. Ah, mais tu passes sur le volcan et tout. Reconcentration. Ah, mais en fait, il y a une compétence. Mon perso. C'était sa compétence. Ah, ok. Ouais, t'as vu, mais on s'en fout. Ah, ouais, mais non, moi je peux pas tenter l'embuscade, je suis pas assez bon. Un chapeau de ouf. Moi, je vais juste faire combattre. Il y a un tu vois, eux, ils ont de la résistance magique et... Physique. Bah écoute... La résistance physique. Je vais focus le guerrier qui a pas de résistance physique, magique, je veux dire. Comme ça, je vais le tuer direct. Et vous, bah, vous tu peux focus... Tu peux focus, ouais, celui qui a de la résistance physique, au pire. Non, ça, c'est moi, oui. Qui va focus celui qui a de la résistance physique. Faut que oui, vous focussiez le reste, alors. Oui. Oh là là, Sylvie. Alors soit je peux mettre des dégâts à tout le monde, ou soit je mets des dégâts à une seule personne, et celui-là comme ça je le one-shot. Au pile. Ah, il se mange. Ah, le méchant. Ah, esquive. Tu vas te faire jamais. Toi, tu vas mourir. Oh, voilà. Mec, il fait oh là là. LOL et il tue les mecs, quoi. Il a pas honte en plus, quoi. Un tourbillon. Et en plus, ça nous fait un parfait. Bravo. Je vous applaudis. Bravo. Oh, oh, un bâton magique. Tu le veux, j'imagine, papy. Bah, je ne sais pas. Faudrait que je vois. Il fait des dégâts magiques. Oui, il faudrait que je vois ce qui fait alors... fracasser explosion d'écho, quoi. Ah, l'arme. Mage pour plus d'infos. Ah, voilà. Mais. Ça utilise de la vigilance. Ah, peut-être pas le mieux pour toi. Non, effectivement, c'est marqué où d'ailleurs? Bah regarde, test d'attribut. Tu vois, t'as les 4 yeux en fait. Ah oui, et moi c'est les yeux, je suis à 71. Donc 71. Alors, moi c'est vraiment l'intelligence qu'il me faut. Soit c'est vraiment ouais, l'intelligence par ou contre, le vigilance, talent. Sévie, elle est violente en vigilance. Mais je peux le prendre pour ouais. Faire de la thune. Non, mais c'est surtout que tu peux l'utiliser en attendant d'avoir un meilleur arc. Le temps d'avoir un meilleur arc. Oui. Celui-là, il fait 5 oui. points de dégâts de plus que ton arc. Et comment on fait pour récupérer là? Bah, attends, je te passe. Ok, donc moi je fais pas, passer. Comme ça, toi tu peux le prendre. Et tu peux voilà, équiper. Tu peux faire équiper. Voilà. Ça est-ce que tu peux l'utiliser toi? Alors moi non, parce que ma hache s'utilise avec les deux mains. D'accord, moi je crois que j'ai un livre, je sais pas si je peux équiper livre plus bouclier. Si tu peux, je crois, tiens je vais te le passer pour voir. Ah bah il y avait la masse avec, donc au pire je te le redonne le bouclier. Ah non, c'est impossible d'utiliser un bouclier avec cette arme. Ah
Ah, c'est une arme à deux mains. À deux mains. Ah oui, c'est ma ouais. Parole. Et c'est une arme aussi fragile. L'arme se brise en cas d'échec critique. Ah, j'aime pas ça en plus. Dégâts physiques. En fait, elle fait autant que ma hache. Ouais, donc c'est pas juste. Limité au niveau poids de, d'objets. T'as un nombre d'objets maximum. Ah ouais. Dans l'inventaire, regarde, t'as un petit truc anglais inventaire. Tu peux l'ouvrir, tu vois le nombre d'objets que tu peux avoir. Il y a la harpie qui va nous emmerder. Qu'est-ce que je fais? On va jusqu'à où déjà? On va aider la mine? Non, je peux pas équiper mon livre plus le bouclier. J'ai essayé. J'ai une enfant. Ah. On va aller, je sais pas, moi, il y a l'appareil de. Ah oui, la y a, mine. Il y a une mine scintillante. Non, elle est pas. Mais elle est non mais elle est verrouillée, puis il faut être level 2, hein, donc moi je ne comprends pas. Il y a une harpie devant, donc... Il y a une harpie, et puis après il y a un marché et un appareil de culte. Ouais, bah c'est quand ça, on va faire ce chemin, on va faire ce chemin-là, ouais. On va faire la harpie, puis le... Bon, le marché nocturne, par contre, il faut être la nuit, du coup. Ah bah en plus, tu peux faire embuscade, toi. Oui. Yes. On va voir les dégâts qu'elle fait avec son livre attaché à la lance. Là. Et tu vois. Et tu... En fait, ça prend plus ses dégâts en magique en plus. Bah oui, parce que c'est une arme. Oui, c'est une arme à dégâts magiques. Tu utilises une arme magique, Sevi Manga. Sevi Manga. Mais elle est immunité contre le feu, c'est bon, Robin. Ah. Ah. Oui, non, mais je veux dire, elle sera. C'est contre les bruits. Oh, le one shot. En fait, c'est l'archer qui tire des flèches en faisant 2, 3, 4, et elle dit oh, et puis merde, d'ailleurs, on prend le bâton, et puis voilà. Ah, t'as acheté une pipe, j'avais pas vu. Non. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'avais pas vu. Une pipe, ça, ça, ça double les points de vie que j'ai récupéré. Mais Bobby, c'est un tricheur, il dit même pas des trucs. Ah, j'avais pas vu, moi je l'ai pas encore acheté, mais. Je sais pas si j'ai acheté. Mais c'est 20 pièces, je crois, la première. Oui, pour la première pipe. C'est à peu près ça, oui. T'as 20 euros la pipe? Ouais. C'était nul. Oh, arrête, t'as rigolé. Qu'est-ce que tu fais? Je fais l'appareil de culte ou je vais. Oui, l'appareil de culte, oui. Ou je fais le. Alors, tu peux faire... c'est pas encore la nuit, donc ça ne fonctionnera pas. Par contre, il faut faire le démon du somme bête, l'appareil de culte et le loup. Là. Donc, et ensuite la rogneau sylvaine. Tous les mots. Tu fais ce que tu veux. Il veut pas c'est passer. Pourquoi? Parce que t'as un nombre peut-être maximum, regarde. Ah, mais je peux aller au marché si je veux, mais pas plus. Bah, arrête-toi à marcher au pire, hein, pensez-toi. Bonjour, il est fermé pendant la journée. Connard. Oh. Bah oui, mais bon. Ouah, 5! Je peux même faire ça. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ah, par contre, tu fais l'embuscade. Ah, t'es fou. Et moi, à chaque fois que je m'arrête avant d'utiliser mon mouvement total, c'est la compétence de mon personnage, je récupère du mouvement et de la concentration. C'est l'avantage. Là, par exemple, si je veux être sûr de pouvoir le toucher, je fais hop, concentration! Oh là là. J'ai pas besoin. Ah, dommage. C'est pas grave, je te mâche le travail, t'as plus qu'à finir. Attends, je vais essayer l'explosion. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. L'explosion. Elle lui a coupé la tête. J'ai pas eu le temps de jouer, s'il vous plaît. Je veux jouer, moi. Et hop, des pièces d'or. Elle récupère 3 en plus, quoi. Et au moins ça, c'est je pense... Plus. Je pense qu'on va pouvoir bien jouer, là. Cette partie, je la sens bien, moi. Bah je vais utiliser de la concentration. Ah. Non, laisse-moi faire. Il faut de la force. Je peux le faire moi si tu veux au prochain tour. Bah je vais juste vérifier si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, 64%. Ah ouais, non mais regarde. Tu vas tout utiliser pour avoir juste 64%. Laisse-moi faire. Ah. Ah ouais, toi par contre, ok. Écrase. Oh là là. Bah franchement ouais, merci papy de nous faire. Si ça bah, c'est le les armes qu'on a chopé dès le début. Oui, prends. De toute façon, on peut se partager les objets tant qu'on est proche l'un de l'autre, hein, donc. Oui. Regarde, t'as vu, j'ai même récupéré du mouvement.
Allez hop, est-ce que ça chasse... Ah, vous êtes pas assez proche pour la rogneuse. Dommage. Ah, bah, le... Ah, bah tiens, je vais aller chercher le sanctuaire. Hop. T'auras plus 2 de régénération de la santé. Plus 10 santé de max. Plus 10 PV max, sachant que je suis un mec qui va prendre cher, j'ai pas d'armure, ni rien. Ça marche qu'une fois, sanctuaire, on peut pas l'utiliser tous. Ouais, non, c'est ça marche. Parce que il a tout utilisé. Par contre, le prochain sanctuaire, ça sera pour vous. Et ça semble que ça sera un sanctuaire de dégâts. Ça aurait été peut-être intéressant de. Mais voilà. Tu vois, moi, 80% en utilisant juste un. Plus une vie, direct. Bon, on en avait pas mal, hein. Oui, mais tu verras que ça va tomber vite. Ça peut tomber vite des fois. Ah merde, elle est pas dans le. Oui, truc. Bah approche-toi de moi, comme ça on redescendra et c'est Séville qui ira taper la rogneuse. Au pire. Vas-y, bah je reste devant et elle fera la plante. Alors c'est à moi. Ouais. Là. Oui, ici. Oui, je vois la plante. Comme ça, après, on redescend pour aller chercher ta flèche. Hein. Embuscade. Non, discrétion. Non, discrétion, c'est pour passer à travers. Ah, pardon. Oui, ça sert à rien. Oh là là. 50% de chance, elle a réussi à chaque fois, quoi. Ouais. Ah, 57. Ah, plein de feu. Ah, oui. Mais quand il y a marqué immunité contre le feu, en fait, tu peux lui faire des dégâts de feu, mais elle tu sera pas brûlée. Tu es toute seule, là. Mmh. L'immunité contre le feu, en fait, c'est les brûlures. Parce que tu peux brûler les ennemis, en fait, et ils perdent de la vie à chaque tour. Ah oh, ça c'est bien, cette fois c'est qui? Je vais aller. Ouais, comme ça, ça fait qu'on en a deux chacun. Oh, c'est gentil. Et notre but, c'est d'évoluer ensemble, non? C'est ça. Du coup, là, on retourne où, les gens? Il faudrait qu'on aille par là pour tuer les trucs et faire la quête à glacial pour XP en même temps. Je vais pas pouvoir. Tu vas où tu veux. Là, ouais. Tu peux retourner ouais dans la direction où il a ping. De toute façon, t'as qu'un de déplacement, donc tu vas pas faire. Ah, d'accord, j'ai rien dit. Ça serait parfait si t'arrives à t'avancer du coup. Ouais, parfait, normalement, on est ça sera peut-être à portée. Allez, moi j'ai 5, voilà. Ouais, t'es en plein dedans. Ah, je peux faire le loup, mais tu seras pas à portée. Le quai branlant, pas pour le moment, donc je vais m'approcher au milieu des deux. Comme ça, t'auras le plus qu'à faire. Le quai branlant. Hop, regarde. Oui. Alors on va attendre d'avoir beaucoup de pièces parce que suivant l'argent qu'on a, on aura un bateau un petit, avec un peu plus de vie. Alors je peux faire le loup. Vous voulez que je fasse le loup? Bah il faut regarder si Sabine elle est dans l'eau du loup. Si oui, bah oui. Oui, oui. Mais même si bah, oui, pas la deux, c'est faisable. Ouais, mais tu gagnes pas les XP. Non. Le but c'est qu'on y fait là, justement qu'on gagne des niveaux. Moi je tente pas l'embuscade. Il y avait un autre mec avec. C'est à moi. Ah, on peut déjà one shot le loup, c'est possible, non? Ouais, tu peux essayer, en plus c'est lui qui attaque juste après. Il y a la chronologie des tours en haut. Parfait, comme ça, moi je suis pas sûr de pouvoir le one shot par contre lui. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il moi, prend des décisions. Je voulais voir si je pouvais faire protéger pour nous protéger, si jamais il est attaqué, comme ça après vous le tuez. Mais j'ai pas l'impression que j'ai pas un truc de taunt en fait. Taunt, je me serais protégé. Mais te pose pas de questions. Voilà. Voilà. Regarde, voilà. Il va te défoncer. Ouais, tu t'aurais dû faire protéger. Ah bah c'est bon, esquive. Oh ouais, le mec a peur de mettre 53 points de vie quoi. Merci le sanctuaire quand même. J'ai hâte d'avoir mâche, hein. Ouais. Ça fera un peu de plus. Des dégâts. Tout simplement. Ah bah tiens, il y a Boiram, elle peut peut-être pas acheter des trucs. Il y a Boiram. Oui, Boiram, le faux. C'est quoi ça? Boiram. Fournir l'abri de l'équipement des services et du travail supplémentaire. Oui, dans le service, il y a l'auberge pour regagner de la vie, mais c'est cher. Alors, on n'a pas forcément besoin de vie tout de suite, hein. On a il y a un instant d'abri aussi. Mais par contre, à Boiram, il y a peut-être des objets, elle peut regarder la boutique avec l'argent qu'elle a gagné. Ah oui. Ah vas-y, tu peux aller à Boiram. Alors, je fais marcher, c'est ça? Ouais. Alors, ah, une pipe! Allez, je vais prendre aussi une pipe.
Vas-y. Fais-toi plaisir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux femmes. Alors, il y a un tambour. Un tambour magique. 10% de multiplication de l'or, papy, ça t'intéresse? Non, ça c'est pour le minestrel, donc c'est un pas pour toi. Un luth blanc, une lame rouillée. Ça dépend ce que ça utilise comme. Tu peux peut-être utiliser non, la guitare là. Elle a pas. Vite en brouillard. Ah oui, elle pourrait peut-être, mais je suis pas sûr. J'ai envie en brouillard. Ah, regarderai ce que ça utilise. Ah, mais t'as plus. Ça utilise. Elle a que 69 dans la stat, donc ça vaut pas le coup. Et le ram, ça fait quoi? Pour augmenter temporairement notre armure de résistance de plus de 50 et semi-confusion. Et ben je vais garder pour plus tard. Comment on fait pour sortir? Ah, ouais, économise parce que tu vas voir que les armes coûtent cher après. Le service, c'est quoi le service? Service à la personne? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est pour t'aider à marcher et tout. C'est un EHPAD. Et qu'est-ce je clique là? Qu'est-ce annexe? C'est pour t'aider. Oui, tu peux regarder les quêtes annexes. Ah, oui. Alors, comme ça, ça fait que Mémé, elle peut peut-être prendre une quête. Hein. Oh putain! Il y a une prime sur un objet là qui donne une veste bénie en rare violette avec de l'armure résistante à génération, immunité à la malédiction, il y a tout quoi. Mais le cube map, le cube de G. Vas-y, prends-la la quête. Hein. Je la prends. Vas-y. Ah oui. Ça coûte rien. Non, ça coûte rien. Ah ouais, en plus, c'est pas trop loin derrière, on peut y retourner. Bah, toutes les prendre, pourquoi? Non, on peut en prendre qu'une normalement. Une seule. Oui, on peut en prendre qu'une. C'était pour avoir quoi? Un torse violet avec beaucoup de résistance et de régénération point de vie, plus immunité aux malédictions. Je reviens en arrière. Hein. Ah. Ça dépend si on va le faire. Ah, bah, ça vaut le coup, hein. Comme ça fait une armure plus. Une donc armure fait demi-tour. Plus le. Comment ça s'appelle la hache, quoi. Alors, il faut que ce soit Sylvie qui aille en premier. Parce que. Pour l'embuscade. Ouais, je vais me mettre ici, alors, pour qu'elle puisse y aller. Bah, tu vas pouvoir te mettre au même endroit, je crois. Oui. Allez, c'est lui! Oui, allez, c'est lui! Allez! Elle devant sur le cube directement. Ah, bah, c'est parfait. Là, vas-y. C'est nickel. En du ciel. Alors, tu peux utiliser un. Non, il utilise jamais. Oh, il y a 30 HP, 2x2 en plus! On est mort! Empoisonnement! Et moi, j'esquive tout! Oh, 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 oh. On va déjà mourir? Non, j'ai pas envie. Non, on va pas mourir là-dessus. Hop, tu vois, déjà, hop, après moi je vais faire pareil. Allez, vague de feu, explosion de sort, bah. C'est pas de la G qui va me faire chier. Je peux même peut-être te en tuer un, toi déjà. De toute façon, après on rejoue, donc. Le poison, ça me retire de la précision. Bon, au pire, focus sur la K20 peut-être, parce que nous, on a encore deux attaques, donc il y a peut-être moyen de pouvoir tuer les deux. En plus, il fait juste. Pour la justice. Pour la horde. Et voilà ma veste bénie, s'il vous plaît. La fesse. Oui, la fesse. Oh. T'as vu comment elle est violente? Où c'est qui doit la prendre? Je sais pas qui doit la prendre. Qui est le mieux? On va donner les objets après, quoi. Mais en théorie, vu que t'as une grosse esquive, c'est une manga, ça serait plutôt lui qui va prendre des coups dans la gueule, quoi. Bon, bah alors, il passe. Et en plus, ça lui donnerait une régénération de points de vie après avoir pris des coups dans la gueule. Ah, équipé! T'as un enfant, on a dit qu'on donnait de la tiale. Je suis non, c'est bon. Ah, oui. Je vais le prendre, ça prend pas de place, hein, c'est pas gênant. Oh, de toute façon, c'est rare quand. Moi, je veux le chat. Vas-y, on je veux le chat. Discrétion d'élite. En plus, oui, c'est pour toi. J'ai vu le petit choupi. Alors, et équipé. Donnez-moi le petit choupi. Voilà. J'ai le chat. Ah, ouais, maintenant elle a 75 de chance maintenant. Ah oui, en plus, ça nous a pété les stats, l'empoisonnement, là. Il dure combien de temps? Jusqu'à ce que on se guérisse. Faut qu'on ait tué le chef du chaos dans la forêt, s'il vous plaît. Donc, faut vite aller à Bouram.
Abouram ? Ok. Oui. Et il faut faire le guérisseur, je crois. Le guérisseur, ça enlève, c'est ce qui enlève le truc. Par contre, ça coûte cher, mais bon. Ça retire le poison. Ah, mais fais-le, il faut que ce soit à nous de le faire. Hein. Ah, ça coûte 9. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de poser une de nos tentes ? On en a 3. Ah non, ça enlève pas les trucs. Ah oui, d'accord. Je sais pas si... Non, non, mais attends, nous on va arriver. Mais toi, t'as pas empoisonné, toi. Oui, en plus, t'as rien. Ouais, moi, j'ai rien, moi. Ouais, donc attends, juste attends-nous. Et on va les, nous, on va les guérir au truc, à Bourab. D'accord. Ah ouais, ça achète des trucs. Non, ah ouais, ça. Comment d'accord. Je vous entends pas. T'as 0 d'armure physique, hein, fais gaffe. Mais je m'en fous, j'ai des points de vie. Ok, d'accord. Ouais, d'ailleurs, c'est pas toi qui es censé être le tank, mais. Oui, par contre, j'ai beaucoup de résistance. Mais... Ça y est. Bisous tout le monde, merci. Merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bonne soirée. Bye.